C'est la plus belle suspension de voiture que vous allez voir. Pour la réaliser, j'utilise la résine épaisse et les pigments de chez Dane Epoxy. Je prends du bleu et du vert pour réaliser un magnifique turquoise. Et ma petite astuce pour avoir un vert turquoise encore plus intense, c'est de rajouter quelques gouttes de pigment fluo. Et là, franchement, on ne voit pas très bien à la caméra, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, car les couleurs sont juste trop canon. Pour ne pas changer, et car j'adore ça, je vais réaliser cette petite suspension sur le thème de l'océan. Donc j'y ajoute toutes mes petites incrustations, de la mousse blanche, des coquillages, et je vais même y mettre une petite étoile de mer. Je chasse toutes mes bulles avec le chalumeau et faites très attention car ça peut cramer vos moules. Maintenant, c'est parti pour le démoulage. Déjà ici, la couleur représente beaucoup mieux la création en vrai. Mais regardez-moi comme c'est juste trop joli. On n'est pas sur une création non plus extraordinaire car elle est très simple à réaliser, mais franchement, je vais me creuser la tête pour en faire quelque chose d'encore plus incroyable. Et voilà ce que ça donne avec les reflets du soleil. Alors pour vous dire la vérité, c'est une cliente qui m'a donné cette idée, car elle aimerait exactement la même chose, mais avec une petite tortue. Donc c'est parti pour vous montrer cette prochaine création. On passe à la création numéro 2 d'une commande qu'on m'a passée. C'est un ensemble de plateaux et dessous de verre tortue. Vous allez voir comme c'est juste magnifique. Je viens couler ma résine sur le plateau, je commence par une résine plus foncée et ensuite je viens ajouter une résine plus claire, tout simplement pour faire un effet de profondeur de l'océan. J'ai fait exactement la même chose avec les dessous de verre tortue et voilà le résultat final, je suis vraiment trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour suivre toutes mes petites aventures et mes futures créations et même pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.